Toi. Ok. Yasin ben de bayağı. Biz Kürt'te burası, dedi. Sen oturun Kürt'te burası dedi. Burası nerede? İsi, Santrum? Sütlüce. No, Sütlüce, no, köy. Okey, önce konuştum. Farm. Kefareli Santrum. Evet. Kefareli. Good. Evet. Region. Big, evet. Ya, okay. Özkan Söz, Santrum ya. Devam et. Kamera. Evet. Onu al buraya, koy. Hı? On va au restaurant. Vous pouvez les filmer, c'est les chiottes extérieures. Je peux vous assurer qu'elles sont de meilleure qualité qu'à l'intérieur. Ouais, j'ai pas pu chier parce que ça a bloqué mon anus. Et sachez que j'ai quand même la chiasse, hein, donc c'était vraiment liquide à un point, j'ai jamais connu. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était vraiment la tourista, parce que la chiasse, bon, tout le monde a déjà eu la chiasse, c'est de la purée, on sait tous. Un peu liquide, mais ça reste de la purée. Là, c'était vraiment, bah, Florian, il s'est posé la question, il s'est dit, mais il est en train de pisser ou il est en train de chier? Bah non, j'étais vraiment en train de chier. C'est ça le truc, c'est que j'étais en train de chier. Et moi-même, j'étais en train de me dire, mais ça fait exactement le même son que quand je suis en train de pisser, quoi. C'est ouf. Ça vous intéresse ou pas? Je pense que ça les intéresse. Je croyais commencer à torcher. Oh, pardon. Bestia. T'es mal. Avec nos portables, on peut racheter leur maison. Et ils veulent quand même nous inviter à manger au resto. Alors que pour nous, ça coûte absolument rien. C'est un truc incroyable. Sizin gibi insanlar yani yer hareketi tanımak. Şu an mesela hepimiz kamera çekiyor. Bu biyolog, bu psikolog. Ya önemli değil. Amaçları oymuş yani. Ve my dream insanın hayatında çok güzel bir yer bu. My güzel bir şey diyor. Tecrübe. You can go with me. You can go yani siz, Özkan'la ikinizin veya bizim yani tabii, özgü bir şey bu. Bekarlık zor. Bekarlık zor. Benim de. Seni İstanbul'la evlendirelim diyor. Benim de. İstanbul mu? Bak. Olmaz İstanbul. Hayda. Vous voyez, ça c'est le genre de soirée que j'adore. On arrive dans un village, on débarque à vélo, on sait pas où on va, mais on rencontre des gens. On sait pas comment on peut échanger avec eux, mais à chaque fois c'est formidable. Je kiffe ça, franchement j'adore ça. Et on fait des rencontres de plus. On s'est réfugié dans une école. Il y a une prof qui était là et qui nous a proposé de venir à l'intérieur. La pluie est arrivée tellement rapidement, elles préviennent pas, elles arrivent d'un coup et c'est énormément d'eau qui tombe. Il a plu peut-être 2 minutes, regardez le sol, il est complètement inondé. C'est assez astucieux. Hein. On arrive à Istanbul dans 2 jours. On s'est arrêté dans un parc pour dormir. Le parc il est juste carrément immonde. Il y a des déchets à peu près partout, donc je vous montre. C'est comme ça. Sur toute la longueur du parc, partout, il n'y a que des déchets, donc que des piles de plastique, des bouteilles, des sacs plastiques, des poubelles, c'est ça partout. Le parc il est énorme, ça c'est une toute petite partie du parc, c'est juste affolant d'avoir un parc aussi dégueulasse. Donc avec Flo là on vient de se motiver, on s'est dit qu'on avait 4 ou 5 gros sacs plastiques. Donc on va les utiliser puisque de toute façon on n'en avait plus besoin, on les avait achetés pour protéger nos sacoches en temps de pluie. Finalement on n'en a pas besoin pour les sacoches. On va les utiliser bah, pour ramasser toute cette merde. Enfin toute cette merde. Pour ramasser notre partie. Tu vas faire quoi toi? Je vais faire une expédition, je vais chercher de l'eau. Et j'ai perdu mon tapis. Ça fait pas la mise au point. J'ai perdu mon tapis. Tu l'as perdu où? Je sais pas. Longtemps que je l'ai pas vu. Je l'avais ce matin. Ouais. Là, vous pouvez voir un regard de solitude. Un objet à rajouter dans la liste des objets perdus. Vous pouvez apprécier cette. D'ailleurs, allez voir sur Facebook, on a fait un bilan des 100 jours et dedans il y a la liste des objets qu'on a cassés et la liste des objets qu'on a perdus. Ah, mais en plus, on a menti dedans parce que, genre, on a dit les 100 jours, mais sa chaîne il l'a cassé le 102e jour.
Donc là, comme vous pouvez le constater, il a un t-shirt Argenteuil. Parce que ça fait référence à mon ancien club de volley. J'ai pu jouer tout à l'heure au volley parce qu'il y avait un terrain dans l'école où on était. Et j'ai pu utiliser ma petite baballe Croatie. Donc ça fait à peu près 2500 km que je me la trimballe. Et c'est la première fois que je l'ai utilisé, sauf que j'ai joué, j'étais tout seul. Vous comprenez que c'était bien triste. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on vous montre tout le temps, mais on n'en parle jamais, c'est les chiens. Depuis qu'on est arrivé en Croatie, il y en a partout. Et c'est de pire en pire. Dès qu'on arrive dans une ville, ils sont là au milieu de la route et tout, là on pose nos tentes, ils sont autour de nous. Après ils sont pas méchants. Hein. Élu de domicile dans un camping qui était sur notre route, on n'en pouvait plus. Ce camping est arrivé vraiment au bon moment. On paye 4 euros pour une nuit, vous vous rendez compte. Regardez, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. On a une piscine là-bas juste pour nous. Là, on a les toilettes, la salle de bain. T'es parti faire quoi là? Je suis parti voir si j'ai vieilli. Mais j'ai pas 30 ans, c'est pas possible. En fait c'est un truc bizarre mais on n'a plus l'habitude de se voir dans un miroir. On se voit une fois par semaine à peu près. Et encore t'es gentil la fois par semaine. Parce que des fois on reste dans des maisons, des Airbnb, y a pas de miroir. À Sofia y avait pas. Un salle de bain y avait pas. Ça m'a pas marqué. Ah si, dans l'évier où je pissais à côté. C'est le pire moment à vélo depuis le début du voyage, Istanbul, c'est l'enfer. Là je suis sur un trottoir, mais des fois il n'y a rien. Je roule directement sur les voies rapides, quoi. Je vous avoue que c'est l'enfer. Voilà ce qu'on trouve tous les 200 mètres. Ça fait que là je dois aller sur la voie rapide, super. Puis ici les clignotants ça n'existe pas, personne connaît les clignotants. On vient d'arriver à Istanbul et on vient aussi de franchir les 4000 km. 4000? Ouais, 4000. 4000? Oui, 4000. 4000. 4000. 4000? 4000. Multiplique 4000. Ça y est, c'est le premier choc culturel. Sur les routes, c'est le bordel. Franchement, c'est le dawa total. Il n'y a aucun respect, c'est chacun pour sa gueule, il n'y a pas de clignotant, tout le monde veut passer, tout le monde pousse. C'est embouté partout et la ville n'est pas du tout faite pour accueillir autant de véhicules, autant de gens. Il y a beaucoup de bruit, c'est très très fatigant. Là on a fait 64 km, il nous en reste encore une quinzaine avant d'arriver au Airbnb. Et je crois qu'on doit prendre un ferry.